Le ministère israélien des Affaires étrangères accuse l'Afrique du Sud de favoriser les intérêts du Hamas après une requête de Pretoria contre une éventuelle offensive israélienne dans le sud de la bande de Gaza. Suite à l'annonce d'Israël concernant son intention d'étendre son offensive terrestre à Rafah, l'ultime refuge des déplacés palestiniens, l'Afrique du Sud avait saisi lundi la Cour internationale de justice pour une seconde fois afin d'obtenir de nouvelles mesures contre Israël. En invoquant la légitime défense, l'État israélien a rétorqué en accusant les autorités sud-africaines de représenter les intérêts du Hamas et d'entraver son droit de protéger ses citoyens. La Cour internationale de justice a rejeté la requête déposée par Pretoria ce vendredi. Il est à souligner que la plus haute juridiction de l'ONU a rappelé qu'Israël est tenu de se conformer à ses obligations en vertu de la Convention sur le génocide.